Bonjour, bienvenue à l'Europétanque département des Alpes-Maritimes à Nice. Alors nous allons suivre une deuxième partie qui va opposer l'équipe de Laurent Faudon, Jean-Yves Bétoni et Anthony Carfa contre l'équipe Morando Cyril, Septier Gaétan et Mouradian Michel. Alors dans cette équipe, vous avez quand même Anthony Carfa que vous connaissez plus certainement au jeu provençal. Il a un palmarès vraiment extraordinaire. C'est un des meilleurs tireurs qui existe au jeu provençal. Il a tout gagné, championnat de France, le Provençal 13 et tous les grands concours au jeu provençal. Mais vous allez voir, il est pas maladroit non plus à la pétanque. La preuve, vous voyez, tapé double première main de palais. ...1-0 pour l'équipe Faudon. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc comme je disais, 1-0 pour l'équipe Bétoni. Bétoni, Faudon, Anthony Carfa. Et pour info, nous avons aussi l'équipe de Sylvain Bonnet, Olivier Ferrero et Alexandre Malek qui jouent la deuxième partie. Un peu plus loin aussi, on a l'équipe Rizzi, l'équipe Fasino. Le jeune Cyril Morando a perdu deux fois le point. Là, ils vont y tirer. C'est Gaétan Septier qui est au tir. Je les ai vus jouer la première partie, il avait vraiment très bien tiré. Le jeu est un peu différent là dans les cadres. C'est un peu du goudron avec des petits gravillons alors que sur le côté c'est vraiment plus de, un peu plus de sable derrière les tribunes. Par contre il joue vite. Hein. C'est vrai qu'il fait très chaud mais bon. Ils vont certainement tirer peut-être la boule devant, celle du milieu, la plus dangereuse. Là, ils vont pointer quand même.
sont pas trop d'accord sur le côté à jouer. Anthony veut jouer à gauche. Alors que Jean-Yves et Laurent voudraient qu'il joue à droite. S'il fait le bec à la boule, il rentre quand même. Ouais, deux voix contre une. Bien joué. Bien joué encore. Je vous dis, Anthony Carfa, c'est un des plus beaux palmarès du jeu provençal, mais je peux vous dire que quand on le voit jouer à la pétanque, quelques joueurs comme ça qui sont vraiment doués aux deux jeux et qui jouent souvent aux deux jeux. Il y a par exemple Philippe Stivenard, Henri Lacroix bien entendu, hein. Mais lui, Anthony, il joue vraiment qu'au jeu provençal. Il fait quelques concours, j'allais dire quelques petits concours. L'Euro pétanque, c'est loin d'être un petit concours. Et 5 de plus. Nous passons donc à 6 à 0 pour l'équipe Bétoni contre Morando. Et ils ont bien fait de pas tirer, ils ont choisi l'option pointée et ils l'ont très bien fait. Les équipes de Scoury, si vous voyez, ils chôment pas, hein, parce qu'ici c'est énormément de chaleur et il y a beaucoup de personnes qui se sont trouvées mal depuis le début de la matinée. Hein. Vous voyez peut-être les drapeaux qui bougent en haut des tribunes, mais je peux vous dire que nous en bas, il n'y a pas de vent. Hein. Bon, nous on quand même, parce que comme dit Lionel, on a quand même les parasols, mais bon. Toi, t'as rien, toi. Laurent Faudon tire. Ah, ça a bougé un peu derrière. Elle est partie. C'est une équipe Laurent Faudon avec Jean-Yves Bétoni et Kerfa. Je peux vous dire que si vous les prenez au jeu provençal, c'est pas sympa à gagner. Hein. Et à la pétanque non plus. Ah, il a peut-être pas fait passer. Besoin d'un arbitre sur le terrain 40, s'il vous plaît. Un arbitre terrain 40. Merci. Une belle reprise de Jean-Yves Bétoni. En plus, en face, la boule. Ils ne vont pas pouvoir y tirer. Sur le terrain de droite, nous avons une équipe malgache.
Belle reprise de Cyril Morando. Et Anthony Carfa au tir. Trop bien tiré. En plus, il a enlevé, il a fait ciseaux avec la boule des adversaires qui était juste derrière. C'est une équipe assez offensive, hein. Vous avez vu, Laurent, ils attaquent des points à 1m, 1m20. Et en plus, comme ça a réussi, autant y aller. Hein. Lionel est en train de vous faire une petite prise de vue de l'équipe Sylvain Bonnet, qui sont 6 à 6 dans le terrain à côté. Toujours au top le chef. Hein, je l'ai vu tirer ce matin, ce jeune Gaëtan Sepié. Il a vraiment très très bien tiré. Il a fait quelque chose. Courant. Et ben un point pour l'équipe Morando. L'équipe Bétoni mène 6 à 1. Nous attaquons la quatrième mène. Cyril Morando au point. Bien joué. Le point est vraiment dur à gagner. Bien tiré. Ils
C'est une équipe qui va beaucoup tirer parce que quand on voit que le pointeur c'est Jean-Yves Bettoni, qui a déjà été champion du Var tête à tête, qui a déjà gagné aussi l'Europétanque. Ses pieds au tir. Je sais pas si je lui porte malchance, mais quand j'ai dit qu'il avait bien tiré une partie d'avant. Aussi un peu le fait d'être dans le carré d'honneur, filmé par les caméras. Un peu risqué avec le contre à la boule derrière, mais bon. Bon, bravo. Bravo, bravo, bravo. Trois points de plus. 9 à 1 pour l'équipe Bettoni. Jouer encore. C'est-à-dire qu'il les envoie bien. Chiquier, mais bon, maintenant le point est gagnable. Ouais, comme dit Lyonnais, ça joue vite. Ah, c'est peut-être la chaleur aussi au milieu. Hein. Et sur le terrain d'à côté, l'équipe Bonnet mène 10 à 6. Thank you.
pour info, Sylvain Bonnet joue avec Olivier Ferrero et Alexandre Mallet. Belle reprise. Belle reprise de Michel Mouradian. Bien tiré encore. Il faut une grosse moyenne au tir. Hein. Ça tombe. Hein. Bien joué encore. Il doit y en avoir trois par terre. Si Anthony le met. Non. Elle est partie à la frappe. Bien joué. Vous avez assisté à la victoire de l'équipe de Laurent Faudon, Jean-Yves Bétoni et Anthony Carfin. Voilà, c'est vraiment une partie en sens unique. Les autres n'ont pas trop bien joué. Puis ils ont manqué très très peu de boules. Ils ont joué vraiment axé leur partie sur le tir et vraiment tout frappé. Très très belle partie. Ah, c'est des terrains qui s'y prêtent un peu à jouer l'attaque. Il y a l'équipe Sylvain Bonnet qui s'est invité dans le cadre G suite à un déplacement de bouchon. Eh ouais, il voulait être filmé. Hein. Sylvain Bonnet au tir. Bien tiré. Alors pour info, il joue contre l'équipe Leonardo Barbati, Frédéric Lefebvre et Thomas Pasquale. C'est une équipe du 06. De l'AASACRM. Un petit rappel, Sylvain Bonnet joue avec Olivier Ferrero de la pétanque antiboise et il joue avec Alexandre Mallet de la pétanque des canuts, Lyon, le gros team lyonnais. Très belle reprise,
20 en tir. Boulis Note bien connu. Le roi des classements. Juste pas loin. Alexandre Mallet, un autre Boulis Note bien connu. Beaucoup de Boulis Note à Nice. Pas bien droit, mais on peut en choper un petit morceau si la boule saute pas. Alexandre Moulin qui pointe pour être sûr de ne pas sortir à la dernière. Parce que vous voyez peut-être pas toutes les boules, mais en fait l'équipe de Bonnet, ils ont qu'une seule boule au jeu. Ah, ils ont opté pour en tirer. Ouais, comme dit Sylvain, de toute façon après. Olivier jouera pour rester gagné sur les deux les plus loin. Juste pas bon. Voilà. Bah 10 à 7 pour l'équipe de Sylvain Bonnet. Thank you.
Un manqué double de Sylvain. Partenaire de club va essayer Olivier Ferrero, va essayer de le regagner ou d'essayer d'en bouchonner. Il a juste perdu. Il y a le risque de tirer s'il n'est pas bien droit et qu'il est un peu court, il faut taper l'assiette. 10 à 7, faut pas prendre trop de risques. Ah, il est court. Pas trop bien joué parce que. Il n'y a rien pour être court. Après, il y a le tir ce soir. Oui, il y a le tir ce soir. Mais il faut dire quand même que la chaleur, elle est vraiment très très forte ici. Mis ensemble. Peut-être mieux ça quand même que d'avoir embouchonné. Hein. Ils sont bien serrés quand même. Ouais. 7 à 10, qu'est-ce qu'on fait ? Le tir au but, tir aux deux boules. Choisis de tir aux deux boules. Maintenant, ça hésite. Peut-être pointer, hein. Essayer de le mettre. Essayer de jouer un peu en face le bouchon. Si le bouchon bouge un tout petit peu, ça peut écarter un peu le jeu. Parce qu'elles sont vraiment dangereuses à tirer les deux. Hein. Ah, ils ont choisi de tirer. Ah, s'ils veulent faire une belle main, c'est vrai que... Il n'y a qu'une qui est partie. Il a failli faire le ciseau au bouchon s'il le prend et qu'il l'emmène sur la droite. Il a bougé légèrement d'ailleurs. Là il est. Ça
elle doit être courte. Points. Donc 10 à 10. Alors, je vous rappelle un petit peu le programme de cet après-midi. Sachez que nous jouerons jusqu'au 32e de finale inclus, c'est-à-dire que là nous sommes en train de jouer le deuxième tour, et ce sera le quatrième tour que nous disputerons ce soir. Nous disputons actuellement des 128e de finale. À 17h30, eh bien, nous lancerons le troisième tour, c'est-à-dire les 64e de finale. Et puis ce soir, à partir de 21h précise, début du tir de précision. Tir de précision où nous retrouverons 8 champions internationaux et 8 champions des Alpes-Maritimes. Issus donc des qualificatifs qui ont été effectués depuis le début de l'année. Mais on vous reparlera de tout ça. Et il y aura un plateau exceptionnel ce soir à partir de 21h. Et nous jouerons les phases de qualification et quart de finale ce soir, demi-finale et finale demain après-midi. Juste derrière donc le but. Ne manquez pas à partir de 21h ce tir de précision. Ça vaut vraiment le déplacement. Allez Sylvain. Pas bien droit. C'est mieux. Le but est environ à 9 mètres et il est pas mal le point derrière. Celui d'Olivier, perdable. La preuve. Il a gagné. Ah, ils vont tirer. Allez, plein jeu cette boule devant là. Bien tiré. Tire la langue, poussif, mais elle est partie. À 10 à 10, c'est important. Hein. Ça fait jouer. Deux boules à deux, ouais. Ah, il est court.
Ah, bien joué. En plus, le but peut bouger, mais... Enfin, s'il bouge, il bougera sur leur boule. Donc, Alex au tir. Aïe, aïe, aïe. Il fait carreau. Le bouchon est parti sur le bon côté. Olivier a environ 2 mètres pour le mettre. Actuellement sur le carré d'honneur. Il faut faire attention quand même de ne pas sortir. Du tir de précision, plusieurs des acteurs de ce soir. Du tir de précision, Christian Fasino qui joue actuellement sur le cadre D. Et il l'a mis quand même. Ce soir, la boule n'est pas sortie entièrement. Donc victoire de l'équipe Sylvain Bonnet, Olivier Ferrero et Alexandre Mallet. Il y a également le tenant du titre, l'Italien Diego Rizzi. On va vous dire au revoir et à bientôt pour la prochaine partie. Mais vous inquiétez pas, avec Fabien Sgarra à la table de marque, je pense qu'on va avoir des belles parties à voir. On a le petit Gomez également. Allez, messieurs, mesdames, les boulisnotes, à bientôt.